Salut à tous, c'est Romain et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, ça fait longtemps. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va aller visiter le stade d'Arsenal. Je suis à Londres pour quelques jours, donc j'étais obligé de passer par un des stades. J'ai hésité entre Chelsea et Arsenal. Et après, j'ai pensé à Thierry Henry, donc je me suis dit, je vais aller visiter le stade d'Arsenal. Et du coup, voilà, ça va être cool, je vais vous emmener avec moi. Et du coup, on va faire la route en métro, tout ça, et puis on va aller jusqu'au stade. Avant qu'on parte, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et ça m'aiderait à grandir sur YouTube, donc n'hésitez pas à le faire. Ok, on est arrivé les gars. Oh putain, il est énorme. On va essayer de faire un peu le tour pour aller voir la statue de Thierry Henry. Voir les statues qu'il y a autour. Et puis après on va visiter le stade. Première statue. Bon les gars, je connais pas tous les joueurs. Donc là c'est Tony Adams. Voilà, de 83 à 2002. Allez, on continue notre chemin. Oh les gars, la devanture est folle. Encore une autre, un autre côté du stade. Et là avec Thierry Henry. Là. Oh, y a du vent, j'espère que vous m'entendrez bien. Et juste ici, une petite statue. Les gars, ça y est. Oh là là, elle est trop stylée. Thierry Henry 99-2007. Incroyable, on va faire quelques photos. Les gars, avec Thierry Henry, avec mon pote. T'as stylé, c'était une empêche. Oh là là là, incroyable. C'est trop beau. Bon les gars, ça va être parti pour la visite du stade avec le canon d'Arsenal ici. Bon les gars, on rentre par la boutique d'Arsenal. Ça commence direct si tu veux t'acheter un petit maillot. Bon les gars, je sais pas si on a trop le droit de filmer parce que dans la boutique on m'a dit que j'avais pas le droit. En tout cas, ils nous ont donné des petits écouteurs Arsenal et avec un truc pour écouter en français. Donc c'est sympa parce que dans certains stades faut payer en plus et là j'ai pas payé en plus. Donc c'est cool. Je vais essayer de filmer et puis si je me fais engueuler, ben vous aurez que le vlog du tour du stade quoi. On commence direct avec le trophée de première ligue et tout là. Incroyable. Donc là on arrive aux loges des directeurs. Donc à l'intérieur. C'est stylé. C'est les gros VIP, les stars et tout qui viennent ici.
ancien visiteur. Et en gros, on nous explique qu'il y a eu Ronaldo, Messi et tout ça. Et qu'Arsenal attend toujours que les visiteurs soient installés avant de s'installer. Donc là, on est dans le vestiaire d'Arsenal. Petite salle de muscu. Je sais que vous attendez ça. Voilà où tu aurais envie de poser ses fesses. Je vous garde le suspense pour la fin. Là, c'est la salle de massage. Après, ça va être stylé. Avec sa corde. Oh, les gars, c'est stylé. Le bureau de Arteta, c'est une dinguerie quand même. Ce stade, il est incroyable, les gars. Incroyable. Et dire qu'hier, là, il y a Haaland qui est venu, qui a fait un but et tout, là. De Bruyne. Franchement, c'était fou. Moi, je suis sorti Arsenal juste hier, quand je tourne, là. Je n'ai pas pu aller voir le match parce que ça coûtait beaucoup trop cher, mais trop stylé. Bon, les gars, profitez-en une dernière fois, là. Parce qu'après, je sais pas où est-ce qu'on va, mais je pense pas qu'on continuera de voir tout ça. Que je pensais de ce match, bah, c'était un match difficile, on a perdu, on s'est fait éclater. Bon les gars, la salle d'interview. Ça c'est stylé. On va laisser s'asseoir. Bon, la visite du stade, elle est finie, mais il y a encore la visite du musée avec tous les trophées et tout, donc on va se diriger vers le musée. Voilà, on est dans le musée, il y a l'histoire un peu d'Arsenal, de comment ça a été créé. Et j'espère qu'on va avoir quand même les trophées. Donc, c'est la toute première FA Cup qu'ils ont gagné. C'est un bouclier qui symbolise 3 titres d'affilée, je sais plus en quoi, en championship. C'est un trophée de championship, justement. C'est leur livre, en gros, c'est l'ancienne PL, avec les anciens maillots. Et enfin, le trophée. T'as 49 matchs sans perdre, à l'empêche. Elle est trop beau. Bon les gars, on a terminé avec le vlog, j'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Voilà, c'était vraiment cool, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez kiffé, liker la vidéo, tout ça. Et franchement, c'était vraiment cool, mettez vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, on se retrouvera bientôt pour un prochain vlog. C'était Romain, salut.